Toujours révélatrices, les périodes de crise développent l'esprit de solidarité entre les gens, d'où la création d'une nouvelle catégorie au trophée du personnel. Découvrez donc ici, en caméra cachée, le vainqueur de la solidarité. France Gallo Godolphin et France Cire en profitent pour féliciter tous les candidats et employeurs. Bon vent à tous. J'ai demandé à Pierre, parce que Pierre siège, tu sais, au truc de... Ben, je suis partout. Voilà. Partout, il y a de la misère. Je veux valider, moi, avec toi, le parcours, parce qu'on va le présenter là-haut, si tu veux, pour avoir les aides. Puis bon, tu sais comment c'était. À Cran, on est toujours prêt, tu sais, pour faire les trophées. Donc, on est toujours dynamique et toujours dans la course. Oui. Et puis, la course dans la course. Voilà. Aujourd'hui, on a une bonne nouvelle à t'apprendre avec Pierrick. Tu es l'heureux gagnant du trophée des solidarités France Gallo Godolphin. Absolument. Voilà. Alors, voilà. Bravo, félicitations. Ah, vous êtes des coquins. Ah, vous êtes des coquins, c'est vrai. Et donc, c'est le moment. Alors, Pierrick. Vous êtes des coquins. Bravo, félicitations. Hein. Alors, Nicolas Lefebvre, j'ai d'abord le plaisir et puis surtout le grand honneur de vous remettre le trophée donc dans la catégorie solidarité, dont vous êtes le premier gagnant, trophée du personnel des courses et d'élevage organisées par France Gallo et Godolphin. J'étais fort ému déjà d'être nominé au départ, c'était une surprise complète. Ouais. Et donc aujourd'hui, oui, c'est vraiment une surprise aujourd'hui. je pense que c'est une très bonne surprise. La vraie surprise aujourd'hui. Merci beaucoup. Non, mais on a été très heureux, très comme heureux ça. De vous rebattre ça parce que merci vous méritez amplement. Et on se retrouve donc à Cran avec le président de la société des courses cranaises, Hugues Cronier, avec un bras droit indispensable qu'est Nicolas Lefebvre, n'est-ce pas ? Oui, Nicolas aujourd'hui est une pièce maîtresse dans le bon fonctionnement de l'hippodrome de la société des courses de Cran. C'est un passionné avant tout, comme moi, passionné des courses, passionné de Cran. Ça le fait vibrer au quotidien et rien que ça, de partager avec lui tous ces moments-là, c'est très important. L'année dernière, le gagnant toute catégorie était quelqu'un qui avait un parcours extraordinaire et entre autres qui était totalement tourné vers l'associatif, je dirais l'humanitaire. Et ça a été donc une réflexion à partir de ce constat et on s'est dit... Surtout dans une année comme l'année que nous sommes en train de vivre, qui est quand même une année fort compliquée, il faut mettre en avant les gens ancrés dans la vie des courses et de l'élevage, mais qui vont avoir une ouverture sur les autres particulière. Elle a tout son sens à travers Nicolas Lefebvre, qui représente vraiment toutes les valeurs qu'on avait envie de mettre à l'honneur. Valeur de solidarité, bien sûr, puisque c'est le titre de la catégorie, valeur de don de soi, d'ouverture sur les autres. Tout cela a fait que Nicolas s'est imposé assez naturellement comme le gagnant de cette catégorie. On en est ravis. Nicolas a gagné, probablement parce qu'il représente la transmission, et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense que c'est bien dans l'esprit des trophées. Mais les deux autres finalistes sont aussi extrêmement méritants. Perrine Meurice, voilà, qui a, comme beaucoup de gens dans les courses, une activité physique, un métier physique, mais qui trouve le temps et l'énergie et les ressources pour aider les chevaux qui ont besoin d'aide. C'est extrêmement, extrêmement méritoire. Et Vincent Mutrel, qui pendant la période du Covid, a su rassembler des fonds, de l'énergie et de l'enthousiasme pour venir en aide aux soignants. Et ça aussi, je trouve que c'est,
C'est magnifique. Ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que les trois finalistes donc, verront une association de leur choix recevoir l'équivalent de leur prime. Donc, félicitations à tous les candidats et rendez-vous à l'année prochaine. L'hippodrome de Cran et les courses, et l'histoire des courses de Cran, ben, je la connais depuis un peu plus de 60 ans, puisque je vais en avoir 61 le mois prochain. Je suis un passionné, hein, tout simplement, pour faire simple. Je ne suis pas insensible à ce qui se passe, à cette reconnaissance qui, qui, c'est vrai, qui me touche. Voilà. Ça me touche, je peux le dire comme ça, tout simplement.